Mesdames et messieurs, bonsoir. La télévision Tata d'Arménie occidentale vous présente les nouvelles du jour. Connaître l'Arménie occidentale, la forteresse de Kharberd, l'Artsakh ne pourra jamais faire partie de l'Azerbaïdjan. Les lignes rouges de Stepanakert restent les mêmes. David Babayan. L'Azerbaïdjan ne nous laissera pas le temps de souffler. Nous devons prendre des mesures accélérées. L'historienne Ashot Harutsunyan. Presse turque sur Orhan Pamuk. Il a annoncé que le Turc avait massacré 1 million d'Arméniens et reçu le prix Nobel. Pendant 30 ans, l'Artsakh a assuré une partie de la sécurité de l'Arménie. Mais maintenant, il n'y a plus un mot sur l'Artsakh. Tevan Porosyan. La rivière Kars, qui est sortie de son lit en Arménie occidentale, a inondé les terres arables. En fait, il ne peut y avoir de territoires azerbaïdjanais en Arménie, Vartan Voskanyan. Le plus beau des colliers de Vasporakan, Hamlet Hovsepian. La forteresse de Kharberd est située dans la région de Kharberd en Arménie occidentale. La forteresse a été fondée pendant la période urartienne du 19e au 8e siècle. Dans l'Antiquité, elle faisait partie de la province de Tsopk en Grande Arménie. En 1236, la forteresse a été conquise par les Mongols. Plus tard, la forteresse fut sous la domination de l'Ang Temur. En 1507, l'armée de Shah Ismail Ier envahit Kharberd. La pilla et la détruisit. En 1515, Kharberd est gouvernée par le sultan ottoman Selim le Terrible. En 1717, Kharberd a été complètement détruit. En 1834, avec la nouvelle division administrative, il fait partie du vilayet de Tigranakert. À la fin du 19e et au début du 20e siècle, les barbares turcs ont détruit la forteresse, utilisant les pierres pour construire des bâtiments gouvernementaux en Mézid. Le ministre des Affaires étrangères de l'Artsakh, David Babayan, a confirmé que les lignes rouges de Stepanakert restent les mêmes. Selon lui, la position officielle de Stepanakert a toujours précisé que le dialogue était préférable à la guerre. Naturellement, nous avons notre propre point de vue, à savoir que nous ne ferons jamais partie de l'Azerbaïdjan. C'est inacceptable pour nous. C'était inacceptable et ça restera inacceptable pour toujours. Et cette réunion, comme nous l'avons vu, portait principalement sur les relations entre la République d'Arménie et la République d'Azerbaïdjan. Sur l'antenne de la chaîne de télévision Western Armenia TV, l'historienne Ashot Harutsunyan a parlé des récents développements en Artsakh, analysant la prise du village de Parour et les conséquences de ses actions. Monsieur Harutsunyan a parlé de l'intention de l'Azerbaïdjan d'attaquer le village de Parour. Selon lui, un coin pourrait se former entre les sections Martouni, Stepanakert, Martakert si l'ennemi y progresse. Il a également fait référence à la nouvelle selon laquelle la collecte de signatures pour l'inclusion au sein de la Russie avait commencé dans différentes colonies de l'Artsakh, notant qu'il n'y avait aucune information pour confirmer cette nouvelle. Il s'agissait seulement d'une question de propagande. Les médias turcs ont couvert le mariage d'Orhan Pamuk, un écrivain turc bien connu de la société arménienne. Mais ils ont surtout souligné le fait que Pamuk a déclaré un jour, dans une interview au Le Magazin suisse, que les Turcs avaient massacré 1 million d'Arméniens. Et après cela, il a reçu le prix Nobel, écrit le site web du journal Yenikak. Rappelons que les milieux nationalistes turcs sont hostiles à Orhan Pamuk parce qu'il a parlé du génocide des Arméniens, accusant les Turcs d'avoir massacré 1 million d'Arméniens et 30 000 Kurdes. La déclaration publiée après la réunion des dirigeants arméniens et azerbaïdjanais à Bruxelles ne mentionne pas le statut de l'Artsakh ou des Arméniens vivant dans l'Artsakh. Selon l'ancien député de l'Assemblée nationale de la République d'Arménie, Tevan Porosyan, cela signifie qu'il faut se concentrer sur 30 ans de lutte. Les gens ont commencé un mouvement en 1988. En 1991, ils ont pris les armes pour défendre la terre et ont proclamé l'indépendance. Pendant 30 ans, les Arméniens de l'Artsakh ont assuré leur part pour la sécurité de l'Arménie. Et maintenant, on ne parle plus de l'Artsakh. Monsieur Porosyan n'exclut pas qu'il puisse même y avoir un accord verbal entre les parties. Et si c'est le cas, cela signifie que les autorités arméniennes actuelles servent les intérêts de l'Azerbaïdjan, a-t-il déclaré. La déclaration ne fait pas non plus mention du groupe de Minsk de l'OSCE, ce qui, selon Monsieur Porosyan, signifie un refus de parler du statut de l'Artsakh. Des fortes pluies dans la ville de Kars en Arménie occidentale ont fait déborder la rivière Kars. Les eaux de crue ont atteint les agglomérations, inondant de nombreuses zones agricoles. Quelques 63 maisons et 23 granges sont restées sous l'eau. Les autorités ont évacué de nombreux citoyens. La rivière a atteint l'autoroute Kars-Kalin. Les citoyens ont été invités à être prudents et préparés en cas d'urgence. Le département des situations d'urgence de Kars a également été mis en état d'alerte.
On tente régulièrement d'implanter dans notre conscience l'idée qu'il y aura des territoires azerbaïdjanais en Arménie. Vartan Voskanian a écrit à ce sujet. Il a noté en particulier « En réalité, il ne peut en être ainsi car, au sens figuré, si une tribu nomade inconnue dans l'histoire de la culture roumaine s'est établie sur une terre arménienne sacrée par la décision du président de la ferme collective, cela ne signifie pas que la terre est devenue azerbaïdjanaise. » Enfin, l'absence quasi totale de profondeur stratégique sur le territoire de la République d'Arménie et de la République d'Artsakh rend chaque parcelle de notre patrie infiniment plus importante pour assurer notre pérennité. Hamlet Hovsepian, un collectionneur d'exemples uniques d'art appliqué arménien, en parlait sur sa page Facebook. Le plus beau collier de Vaspurakan que j'ai jamais vu. Dans le passé, le rôle de la femme arménienne ne se limitait pas aux tâches ménagères et à l'éducation des enfants. Les hommes arméniens du 19e siècle savaient apprécier leurs mères, leurs filles, leurs sœurs et leurs épouses. Et ce n'est pas sans raison que les orfèvres de Van ont fabriqué le deux bijoux pour femmes, quatre choses. Merci de votre fidélité et à la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniennes. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web.